Bonjour et bienvenue sur la chaîne #ConnectBooks. Je suis Mathilde. Et moi, Élise. Et on va vous parler du livre L'étendard collégien élevé. C'est un roman écrit par Gladys Constant et dans cette histoire, elle se met à la place de Juliette. Et nous sommes très heureuses de l'accueillir au CDI de notre collège le 27 avril. Ouais. Ce n'est pas une série, c'est juste un one-shot. Mais par contre, il y a plein de petits livres de cette collection comme, et du même auteur, comme De si beaux cheveux et La première fois. Et moi, je trouve que le titre est assez explicite, comme L'étendard collégien élevé. Ça m'inspirait un peu une révolte, mais pas trop méchante, une révolte gentille, entre guillemets. Enfin, ouais. Pour moi, le titre, il est implicite, parce que je m'attendais plus, en lisant le titre, à une bagarre entre deux clans d'élèves, parce que étendard, pour moi, ça me fait penser à clan. Je m'attendais plus à une bagarre entre élèves qu'une manifestation verbale envers des parents, un élève envers les parents. La couverture, elle a des couleurs très vives comme le rouge et des couleurs plus foncées comme le noir qui contrastent du coup avec les couleurs plus vives. Donc le noir, il y en a sur la tête de mort, il y en a dans les écritures, autour des écritures, il y en a un peu partout. Et aussi sur cette couverture, le rouge, ça attire vraiment l'attention et il y a plein de petits dessins comme la petite tête de mort avec des crayons en guise d'os. Donc la couleur rouge, elle nous fait penser à la révolte. Et l'étendard, la tête de mort, pour nous, c'est un étendard. Parce que la tête de mort, c'est comme l'étendard pirate. Puis les crayons à papier, les crayons, le stylo. Ça fait penser à l'école. Enfin, en même temps, ça se passe dans un collège, etc. Donc Juliette, le personnage principal de cette histoire, elle est en troisième. Et elle est un peu forte, car elle adore les cookies. Et elle le dit dans l'histoire même, qu'elle est forte. Donc au début, elle est chez ses grands-parents. Mais en racontant l'histoire qui se passe dans sa tête, elle nous fait imaginer qu'on est dans un collège et elle raconte les préjugés que les parents ont envers les collégiens et adolescents. Et elle raconte un préjugé par chapitre, comme ça on se situe bien. Ça fait comme une liste, c'est précis. Moi j'aime bien ce format de livre. Donc les idées stupides, par exemple, celle-là 2, l'idée stupide numéro 2 des parents, c'est l'adolescence, c'est vraiment l'âge bête. Alors là, je l'entends tout le temps celle-là. Je confirme. Tout le temps. Parce que des fois, il y a peut-être des choses qu'on fait bêtement, mais on n'est pas complètement idiot. Ah oui, et alors celle-là, elle est marrante. C'est vous êtes assis toute la journée. On n'est pas assis toute la journée. On est assis un peu, enfin okay, en cours, mais monter et descendre tous les escaliers, c'est très long. Faire du sport, c'est long aussi, et ça fait bien mal aux jambes. La récré, ok, on est peut-être assis dans la cour de récréation, mais on ne s'assoit pas en plein milieu de la cour. Non. Quoi. Donc, on n'est pas assis toute la journée. Voilà. Donc sur l'idée stupide numéro 3 que Elise vous a dit, l'auteur est vraiment d'accord avec nous. Donc pour vous montrer ça, je vais vous lire un passage. Donc, pourvu d'un sac de 8 kilos à la dernière pesée, que je ne porte que sur une épaule pour ne pas avoir l'air d'une quiche, je me range sur la ligne d'arrivée à 7h55 précisément. Gong, c'est parti pour le bâtiment B. Premier étage durant une heure. 9h, bâtiment C. Deuxième étage, puis retour en bâtiment B. Deuxième étage, avant de se rendre en bâtiment A, troisième étage. Voilà, là, elle nous montre vraiment qu'elle bouge toute la journée. Et nous, c'est pareil. Puis elle continue encore à décrire toute sa journée, mais c'est trop. Dans ce livre, Gladys Constant évoque l'adolescence, le vécu et la société. Pourquoi l'adolescence ? Parce que dans ce livre, Juliette, c'est une adolescente, elle est en troisième. Et c'est les préjugés qu'ont les parents sur les adolescents. Donc le livre tourne autour des adolescents un peu. Et toi, pourquoi tu dis le vécu ? Le vécu parce que c'est une situation que des pré-ados vont vivre, c'est une situation que des ados vivent maintenant, et c'est une situation que les adultes ou les gens qui viennent d'être majeurs ont vécu en l'adolescence. Et tout ce qu'elle dit dans ce livre, c'est vrai. On l'entend tous les jours, on entend au moins une de ses remarques par jour. Ouais. En tout cas, moi, elle et certains d'autres, peut-être qu'il y en a qui ne l'entendent pas, mais nous, on l'entend. Et pourquoi la société ? Parce que ça se voit, dans ce livre, on n'est pas au Moyen-Âge, on est maintenant. Et dans cette histoire, ça pourrait très bien se passer demain ou ça aurait pu se passer hier. C'est vraiment maintenant et les personnages auraient pu exister. Le contexte dans lequel elle vit, c'est la société. Est-ce que tu as aimé le livre, toi ? Oui. Beaucoup. Et je l'ai adoré. Parce qu'en fait, ce livre,
Il me rappelle les choses que j'ai vécues ou que je vis encore. Il me fait penser au quotidien de tous les adolescents. Puis, même si si je préfère les livres où il y a beaucoup plus de dialogue entre plusieurs personnages, etc., ce livre, je l'ai quand même aimé, même parce qu'on a l'impression qu'elle s'adresse à nous-mêmes, qu'elle Ouais. s'adresse qu'à nous, qu'elle s'adresse pas à tout le monde, que c'est nous. Et toi, t'as aimé le livre? Ah oui, moi j'ai vraiment aimé le livre parce que le format aussi m'a beaucoup plu. Les listes comme ça, vraiment. Enfin, moi j'aime bien ce qui est carré, donc voilà. Mais après, et puis le sujet aussi m'a beaucoup plu. Bah, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on vivra plus tard aussi. Et ce qu'on a vécu. Et la façon dont elle le dit, c'est elle prend pas quatre chemins, elle le dit directement. Et puis je pense que c'est abordable à tous. Même les gens qui ne sont pas encore au collège, je pense qu'ils peuvent le lire. Et puis nous, on peut parfaitement le lire. Enfin, c'est adressé à nous. Mais c'est aussi, je pense que les adultes, ils peuvent vraiment le lire aussi. Je pense, ouais. Moi, pour moi, ce serait vraiment au début de la sixième qu'on pourrait commencer à le lire. Après, on CM2. peut le lire avant, mais il y a moins d'intérêt. Puis surtout, surtout pour les parents et adultes, pour qu'ils essayent de nous comprendre, nous, ce qu'on ressent des fois, ou ce qu'on ressent même tout le temps. Donc même l'auteur le dit que c'est pour les parents, comme dans le passage que Élise va vous lire. Aussi, toi qui me lis, si tu as entre 11 et 16 ans en moyenne, termine ce bouquin et donne-le à tes vieux, car ce sont eux qui doivent le lire et jusqu'au bout de préférence. Au besoin, prétexte un devoir à rendre dessus et demande-leur de t'aider. Ça marche une fois sur deux. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À plus! Bientôt.